Je ne suis pas un taxi. Quel doux feuillage. Aïe, non, il y a des ronces. Wow. Ni un porteur, d'ailleurs. Dépêchez-vous, mademoiselle Cendrillon. Le cours va bientôt commencer. D'accord. Merci, dragon. Oh, il faut toujours courir. Un héros n'est jamais en retard. Surtout pas au cours d'héroïsme. Vite, vite, il faut que je sois là. Vite. Oh. Oui. Oh. Bah alors, on écrase les fleurs maintenant. Désolé, nous sommes très fragiles, tu le sais. Oh, regarde, on dirait qu'il pleut. Oh, oh, tu sais quoi, il pleut des chaussures. Ça alors, c'est un seul temps pour les fleurs. Pardon. C'est l'heure de votre contrôle. Il va vous falloir utiliser votre cervelle, vos pensées les plus héroïques et un crayon explosif numéro 2. Première question. Comment combattre un brouillard très... J'ai écrasé des fleurs. J'ai dû les conduire d'urgence à l'hôpital. Question suivante. Comment calmer une personne qui en fait des tonnes? Une réponse? En l'écoutant sans rien dire. Excellent, Gérald. Passons maintenant à l'exercice pratique que vous aurez à faire chez vous. Il est tellement dangereux que seuls les plus courageux d'entre vous pourront le réussir. Vous devez rapporter un œuf en or provenant du château Haricot et je le veux dans cette classe dès demain. La coquille de ces œufs est en or, mais leur jaune peut servir à fabriquer des sortilèges si puissants qu'ils fonctionnent même sur les dragons. Oh, il me faut absolument l'un de ces œufs. Mais, Vicky, c'est très très dangereux. Je n'ai pas l'intention d'affronter le danger. Je vais rejoindre son camp. Nickelodeon Junior en exclusivité sur Canal et Numéricable.